Je suis là. Général Kouka, on le demeure toujours. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous êtes venu faire. Les parents qui sont là, la maman qui est là, le père qui est là, tout le monde aimerait savoir quel est le fin mot de notre rencontre cet après-midi. La personne qui me fait perdre même la position des poches, c'est une édite, parce que mon petit frère, mon fils, quand ils sont arrivés au Carrefour Léon-Ba, elle est rentrée chez vous et il lui a dit que son beau prénom c'était Edith Florian. Donc c'est elle que nous sommes en train de poursuivre. C'est une fourme et titouée. C'est pour elle que je suis là. Je suis venu me présenter à vous et pour elle. En un mot, je suis venu épouser et voilà qui est clair, voilà qui justifie pourquoi vous êtes là, nous sommes là. Vous êtes venu épouser notre fille, Edith Vourne. Puisque il semble qu'il a pris la décision vraiment de faire les choses comme avant, nous allons demander à Igor, que nous ne connaissons pas encore, donc à ses parents, de nous montrer comment il est venu pour épouser notre fille. Arrive à ce stade-là, c'est la plantation. C'est pas parce qu'on a faim qu'il faille aller tout dévaster. Il faut prendre le strict nécessaire pour manger aujourd'hui et demain quand on aura faim. Voilà, mon petit va vous faire la lecture du peu que nous avons amené. Ce jeune homme qui est à cause nous avons fait des comptes, je dis bien,
il y a quelques mots qui seront communiqués par les chefs, qui seront communiqués par l'offre. Yeah.
tradition, bien entendu. Et donc, il y a la épargne, la boisson à manger, mais il y a également la dot qui scelle dans nos coutumes en tout, qui scelle les épousailles. À toi de prendre, si tu dis oui, tu remets à ton père, si tu dis non, tu remets à mon interlocuteur du jour ou à son fils. Donc la décision te revient.
dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Il a élevé la dimension. Oh mon Dieu. Il a élevé la dimension. Il a pardonné mes péchés. Il a élevé la dimension. Il m'a